Alors les amis, si vous avez besoin du trafic, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire ou à vous présenter dans cette vidéo. Voici un nouveau réseau social qui vient d'être lancé. Personne n'en parle sur le marché français et c'est une source de trafic vraiment énorme, source de trafic en illimité, je dirais. Donc, laissez-moi vous présenter un peu le réseau social. En fait, qui sont les fondateurs? Les voici trois et parmi ces trois, vous pouvez constater l'ancien ex-fondateur de Twitter. Donc, il a eu à vendre la boîte Twitter à Elon Musk et il s'est lancé toujours dans la quête de créer un autre réseau social. Mais la différence de ce réseau social, c'est que contrairement à d'autres, ici, il n'y a pas de followers, il n'y a pas de likes, il n'y a pas de je dirais quoi, des personnes où vous pouvez suivre, comme on va dire, les influenceurs. Ici, il n'y a pas. Le principe est simple. Ici, vous publiez seulement votre article, votre post, vous faites votre post. Et en fonction de la thématique dans laquelle vous avez publié, alors vous pouvez toucher un maximum de monde. En fait, contrairement, par exemple, à Facebook, il faudrait être abonné ou être ami avec vous pour que les gens puissent découvrir votre contenu. Tel n'est pas le cas ici. Donc, tel n'est pas comme sur les autres réseaux sociaux. Il faudrait... Bon, bref, la file d'actualité ici. Ici, vous suivez simplement donc le sujet qui vous intéresse et tout simplement. Donc, je vais dire les amis, j'ai testé et ça fonctionne vraiment. Je suis allé dans mes statistiques, j'ai eu à remarquer un pic de croissance du trafic. Alors, mais l'inconvénient pour le moment simplement, c'est que il n'y a pas encore trop de Français sur ces réseaux sociaux. Donc, c'est l'inconvénient pour le moment, mais cela va être un très grand avantage plus tard parce que vous serez les premiers à être sur la place. Vous aurez vraiment compris le principe, comment ça fonctionne et quelles sont les stratégies à mettre en place, dont je vais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la plateforme s'appelle Maven, c'est un réseau social, comme je l'ai dit. Vous avez la possibilité de télécharger. Si vous avez un iPhone, vous pouvez télécharger une version sur votre téléphone, soit Android, ou vous pouvez accéder simplement à la version web. Donc, étant dit, par exemple, sur la version web, vous pouvez voir l'interface, il est assez très simple. Une fois que vous arrivez, donc vous avez l'option Discover ici. Vous voyez là, c'est en train d'actualiser. Et maintenant, cela va me présenter tous les contenus en fonction de mon intérêt. Une fois que vous êtes nouvellement arrivé sur la plateforme, bref, vous ne pouvez pas encore avoir d'intérêt, des sujets sur lesquels vous suivez la tendance. Mais un contenu généré vous sera proposé comme cela. Et en fonction de votre navigation, alors vous allez donc l'IA en fait de ce système. Parce que vous devez comprendre également que l'IA intervient énormément ici. Donc, l'IA du système va s'en charger d'analyser votre tendance, les sujets que vous avez l'habitude de lire et ce que vous commentez et bien plus. Donc, par exemple, là, j'ai Discover. Vous pouvez voir ça, c'est mon fil d'actualité des sujets que je suis en ce moment. Je vous dis, ce réseau social vient d'être lancé 3 mois à peine. Donc, c'est l'ex fondateur de Twitter. Donc, c'est un mec qui se connaît en réseaux sociaux. Donc, je vous dis, les gars, allez inscrivez-vous maintenant et commencez à générer du trafic sur votre site web. Si vous n'avez pas besoin d'application, cliquez seulement sur Try the Web, web App. Donc, try, ça veut dire qu'ils sont encore à bêta test, mais ça fonctionne déjà très bien. Et si vous avez l'option chat, vous aurez tous vos messages dans toutes les conversations que vous aurez sur la plateforme. Et le plus intéressant, une fois que vous êtes inscrit, vous avez votre profil. Et pareillement, les amis, par exemple, comme sur Twitter, vous avez la bannière, Facebook, vous avez tout la bannière, YouTube et tous les autres. Bon, bref, vous avez la bannière. Les bannières également maintenant sont disponibles aussi sur TikTok. Donc, vous avez la bannière, vous avez ici, vous pouvez ajouter votre image si vous cliquez sur Edit Profile. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez entrer votre nom. Vous mettez une bio vous concernant, vous entrez votre site internet. Vous avez la possibilité d'entrer jusqu'à 2 sites internet ici. Par exemple, dans ma bio, j'ai dit je partage donc les meilleurs outils pour les entrepreneurs du web. Je partage sur mon site growthbusiness.com. Alors, si vous avez besoin d'outils pour développer votre business sur internet, vous trouverez des outils. Donc, par exemple, ici, sur ma page d'accueil, vous avez cette section d'outils. Ici, je fais.
J'ai listé donc quelques produits qui vous permettront, en fonction des thématiques, en fonction de ce que vous avez besoin, vous avez déjà toutes les informations. Par exemple, bulle de rôle, je vous donne directement le prix et je vous donne le lien pour accéder. Par exemple, vous aurez tous les outils avec les essais, si ce sont les deals, avis et tout. Donc, vous trouverez énormément d'outils sur ma page d'accueil comme cela. Allez découvrir ces outils. Certainement, vous trouverez un outil qui permettra de propulser votre niveau business à un autre niveau élevé. Donc, nous allons retourner sur Maven et vous allez entrer votre Twitter, YouTube et bien d'autres. Et ensuite, vous allez simplement cliquer sur Save. Donc, je vais retourner sur mon profil. Vous pouvez voir ici, j'avais publié mon premier article. J'avais dit salut, ceci est mon premier post. Je partage les meilleurs outils pour les entrepreneurs du web sur mon site growthbusiness.com. Donc, et là, maintenant, vous pouvez vous en rendre compte que, en fait, ceci, je n'ai pas eu à ajouter cela. L'IA de Maven s'est en chargée automatiquement de directement choisir les thématiques qui correspondent à mon poste. Donc, j'ai par exemple Business Development, Online Tool, Entrepreneurship. Et là, vous pouvez voir, c'est encore rouge. Je vais vous montrer. Et ici, maintenant, j'ai plutôt écrit. Donc un autre post maintenant plutôt en anglais. J'ai dit Funnel Builder, ma favori free tool, et j'ai parlé là de System.io. Et vous pouvez voir que là maintenant il m'a directement mis Funnel Builder comme tag. Il m'a mis Online Business et System.io. Et vous pouvez voir les deux s'ils sont grisés parce que j'ai cliqué sur cela et je suis en fait ces deux tendances. C'est simplement comme cela sur Maven. Et par exemple, vous allez voir ici, j'ai également fait un autre post Content Creation en Instagram. J'ai parlé de Crea Pro, un nouvel outil qui vient d'être lancé. Et ici, j'ai fait un commentaire. Donc, par exemple, pour vous montrer comment cet outil, ce contenu fonctionne. Donc, ici, vous n'avez pas besoin d'une audience, en fait, pour pouvoir générer du trafic. C'est très simple. Si je clique, par exemple, sur Online Business, vous allez voir les posts qui sont listés directement dans Online Business. Vous voyez maintenant que mon post se liste en premier. Donc, sur Maven, tous ceux qui vont aller, par exemple, pour suivre la traîne de Online Business, ils vont directement tomber sur mon post. Et ici, il n'y a pas de like, donc il n'y a pas de followers sur les comptes, les amis. Donc, ça pourrait peut-être être frustrant vu que peut-être que vous êtes habitué à combien de personnes ont cliqué sur combien de personnes ont aimé mon contenu et autres. Et si, en fait, ils le disent directement sur la page d'accueil, que ici, c'est le réseau social de la non dopamine. Donc, sur Facebook, par exemple, vous avez la dopamine d'avoir les likes, des followers, des commentaires et tout. Donc, ici, c'est le réseau social, no like, no followers. Donc, fini avec tout ce qui est dopamine, tout ce qui vous rend addictif. Ici, on génère du, on produit du contenu, on s'instruit, on suit la tendance, suit les sujets qui nous plaisent. Et comme cela, les amis, étant malin comme je le suis à mon niveau, alors j'ai préféré directement là. Donc, m'y positionner directement. Donc, je vous recommande, si vous voulez générer du trafic avec Maven, utiliser du contenu anglais. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez aller simplement sur Google, vous allez rechercher DeepL. DeepL, c'est un outil de traduction. Vous allez écrire, vous allez écrire votre contenu ici. Et ensuite, vous allez utiliser DeepL va s'en charger de traduire pour vous. Et ensuite, vous allez simplement copier ici et vous allez venir sur Maven, vous allez coller. Et si vous voulez générer du trafic, les amis, et utiliser les produits en anglais. Donc, utiliser les produits en anglais. Utiliser les produits, oui, en anglais. Donc, si vous prenez, à moins que après, plus tard, lorsque les Français vont s'adapter, lorsqu'ils vont venir dans ce marché, alors ça serait également une opportunité pour vous qui serez déjà là avant. Vous aurez déjà compris comment cela fonctionne et vous allez rediriger ce maximum de monde. Donc, sur le business en ligne, c'est que les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc, si vous arrivez en premier, les amis, vous allez également être servi. Regardez, par exemple, j'ai le mot système. Aussi, je clique dessus présentement. Vous pouvez voir que personne n'a encore écrit sur ce sujet. Ce qui veut dire que plus tard, lorsque les gens vont par exemple venir pour écrire sur le sujet, c'est vrai, mon contenu pourra aller en bas, mais tous ceux qui vont venir en premier pour écrire sur ce sujet, alors mon contenu pourra également être listé comme cela. Donc, ici, je n'ai pas besoin de followers, les amis, pour générer du contenu. Pour générer du trafic autant pour moi, vous pouvez voir par exemple dans Online Business jusqu'à présent, je suis toujours au top. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez
simplement cliquer là sur post et vous créez donc des posts. Ça peut être même par chaque 5 minutes. Ici, il n'y a pas de restriction je vais dire la longueur de l'article. Vous pouvez simplement écrire ce que vous voulez. Donc, par exemple, comme je dis, how are you to do today? Et vous pouvez également utiliser l'IA ici pour que l'IA s'en charge de vous générer, par exemple, un titre qui suit la traîne. Vous pouvez voir, j'ai cliqué sur l'IA et il me dit ici type aussi safe in the future job market. Donc là maintenant je peux utiliser peut-être 3 ChatGPT et il s'en charge par exemple de m'écrire peut-être un contenu à ce sujet. Si je recherche par exemple ChatGPT, je ne sais pas là où je l'ai mis. Alors, si je pars par exemple sur ChatGPT et que j'ouvre par exemple une nouvelle conversation et que j'entre par exemple mon mot-clé et que je demande par exemple à ChatGPT, vous pouvez voir que lui va s'en charger par exemple d'écrire ce contenu. Mais bon, vous pouvez après par la suite copier ce contenu et venir coller sur Maven. Mais ce n'est pas en fait, bref, ce que moi je recommande pour le moment. Il vous suffirait simplement d'écrire sur ce que vous connaissez déjà et le tout est joué. Donc comme cela vous allez générer du trafic. Donc les amis, voilà un peu cela. Et qu'est-ce que je vais encore vous montrer? Bon, au niveau de par exemple multilist, vous avez les listes par exemple les intérêts ici que vous suivez. Bon, pour l'instant je n'ai aucune liste qui est mutée. Le mute, c'est simplement quoi? C'est que si vous suivez par exemple un sujet et qu'après ce sujet ne vous convient plus, vous pouvez simplement dire à Maven ici de muter ce sujet. Et si vous pouvez voir dans mes intérêts, j'ai Funnel Builder et Online Business. Si je parle de Funnel Builder, vous voyez toujours que System.io se positionne en premier. Donc, System.io, c'est un logiciel, les Américains peuvent utiliser, les Français et bien d'autres. Donc, les amis, je viens tout simplement de publier. Ça fait à peine quelques jours. Je pense peut-être après un mois, je vais vous montrer les statistiques ici. Parce que dans mes liens, par exemple, que j'ai mis là, j'ai mis des trackings pour identifier exactement d'où me proviendra donc les différents trafics. Donc voilà un peu ça, les amis. Voilà un peu cette nouvelle plateforme. Donc elle est vraiment formidable. Vous scrollez simplement. Vous pouvez voir maintenant là que au fur et à mesure que je scrolle, voilà mon contenu qui s'est directement identifié ici. Donc, et le plus intéressant, lorsque quelqu'un cliquera, il est lié encore, donc ça s'ouvre dans les nouveaux onglets. Donc, si vous demandez c'est quoi Crea Pro, c'est un nouvel outil qui va vous permettre d'automatiser votre publication sur Instagram. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube et vous pouvez également aller sur mon blog Growth Business et vous recherchez Crea Pro. Donc, vous allez tomber sur cet article et vous allez, les amis, soit vous inscrire et faire ce que vous voulez. Donc, si vous voulez générer du trafic en illimité, les amis, voici le moment de s'inscrire sur Maven et commencer comme cela à positionner vos articles, commencer comme cela à mettre un peu vos liens de façon stratégique, donner du contenu qui, bon, ceci soit de la curiosité, qui attire de l'attention, et comme cela, bon, vous allez vous positionner sur ce nouveau réseau social. Donc, je ne sais pas si le système vous plaît. Qu'il n'y ait plus de likes, qu'il n'y ait plus de followers, vous pouvez simplement me dire dans les commentaires. Et avec d'autres fonctionnalités, les amis, vous pourrez découvrir cela sur la plateforme. Mais vous pouvez également reporter si vous voyez que quelqu'un abuse, qui produit et qui publie du contenu illégal. Donc, vous pouvez signaler cette personne. Donc, voilà un peu ça pour ces réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée de s'inscrire ici ou bon, il faudra encore attendre que les Français puissent comprendre le principe ou bien ils puissent découvrir la plateforme et s'inscrire avant que vous puissiez vous lancer. Ou vous pouvez également jongler avec ce petit trafic américain et envoyer sur des offres américaines. À noter, il y a le marché comme Clickbank, des produits américains. Vous pouvez faire de l'affiliation ici. Soyez juste un peu malin. Vous pouvez utiliser System.io. Je vous recommande System.io. C'est un outil que tout le monde a besoin aujourd'hui pour lancer un business sur Internet. Et les Américains, la plupart des temps, vont toujours utiliser ClickFunnels. Donc, vous pouvez leur proposer un autre produit comme cela, 10 fois moins cher contrairement à ClickFunnels. Alors cela leur fera plaisir et je pense que bon, si vous me suivez, donc je publierai d'autres vidéos plus tard sur chaîne YouTube et vous montrerai au fur et à mesure que la plateforme va se développer et d'autres stratégies à implémenter pour pouvoir générer du trafic avec cette plateforme. Donc étant dit les amis,
On se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. C'était Mickaël Mika.